Les expériences extatiques des chasseurs-cueilleurs ont donné naissance au premier rite pré-chamanique. Elles ont aussi été déterminantes sur l'élaboration des valeurs morales et des règles de l'organisation sociale du groupe. La loi est de nature sacrée, celui qui la transgresse commet un sacrilège et risque l'exclusion du groupe. La vénération du clou du ciel, de l'axe du monde, du pilier solaire ou de l'arbre totem est associée aux interdits archaïques d'inceste, de meurtre du père et de cannibalisme. La vie du chasseur-cueilleur s'articule autour de ces valeurs avec des rituels structurant l'espace et le temps. Le chamanisme et l'expérience hallucinogène balisent alors cette première approche mystique.